Mon nom c'est Frédéric Luyet, ça fait 10 ans que je fais du skate, je travaille au TAS comme prof et puis je ride pour les skateboarders. Puis aujourd'hui le trick tip qu'on va faire c'est le backside disaster. Bon, donc pour faire un backside disaster, il faut commencer par avoir assez de vitesse pour arriver de l'autre côté puis être capable de sortir de la rampe. Donc on se prend une bonne vitesse de départ. Quand on arrive, notre skateboard va accrocher le coping. À ce moment-là, c'est le moment où on va lever les épaules et les genoux pour prendre le plus de hauteur possible. Au moment où on sent qu'on est à notre maximum de hauteur, on tourne les épaules. Il y en a qui le font en même temps qu'ils lèvent. Moi, je trouve que ça lève moins haut. Fait que prenez le coping. Quand vous sentez que ça propulse, on lève les épaules, on lève les genoux, on tourne les épaules. Au moment où on sent qu'on a fait le 180, on pousse vers le bas. On va atterrir. C'est là qu'il faut remettre du poids en avant pour que ça redescende. Bon ben voilà, c'était mon trick tip. Alors je vous souhaite de faire des beaux backside disasters. Puis je voudrais remercier mes commanditaires, le Roland, puis Grow Skate Life, puis Rockstar Bearings. Voilà.